Nous sommes au Salon du livre de l'Est de l'Ontario. C'est la fin octobre. Ça se déroule à l'École secondaire régionale catholique de Hawkesbury et nous rencontrons des auteurs. Nous rencontrons premièrement le président du Salon du livre, le poète Éric Charlebois. Ensuite, trois auteurs, Lisette Brochu, Lucie Thériault et André Sarrazin. Bienvenue à l'émission. C'est un grand plaisir pour moi d'être au Salon du livre de l'Est ontarien, moi et toute l'équipe. C'est vraiment une grande réussite cette année et j'ai le plaisir d'être en compagnie d'Éric Charlebois, qui est le président du Salon du livre cette année. Merci beaucoup, Éric, d'avoir pris le temps de venir nous trouver ici à Hawkesbury. On est à l'École secondaire régionale catholique de Hawkesbury. Mm-hmm. On a été très bien accueillis et tu as accepté cette année de présider le Salon du livre. Oui, bien écoutez, ça n'a pas été long, en fait, de mode d'acceptation. On me l'a gracieusement proposé, on me l'a demandé poliment. Je pense que j'ai été moins poli dans ma réponse. Pourquoi? Bien, ça a été des points d'exclamation, fidèle à mes habitudes. Là, ça a été, ben, c'est sûr que j'accepte, là. C'est, t'sais, d'autant plus que c'est dans mon patelin cette année, là. C'était à Hawkesbury, comme tu l'as bien dit, donc je suis chez nous, là. Puis quand on parle de l'Est ontarien, on parle des auteurs d'ici, mais il y a des auteurs de partout dans la province qui sont ici, là. Absolument, absolument. Et on a des auteurs aussi qui sont d'autres provinces, oui, si on veut. Oui, on va accueillir notamment, dans le cadre de la soirée de poésie, des auteurs qui sont de l'autre côté de la rivière. Donc, des auteurs de la Petite Nation puis de la région de l'Outaouais, en plus des auteurs de chez nous. En séance de dédicace, c'est la même chose. Donc oui, il y a des gens de partout. Moi, je trouve ça impressionnant. Je regarde les noms, les œuvres, et je me dis, quoi, c'est peut-être près d'une quarantaine d'auteurs qui vont être ici là, en deux, trois jours. C'est un jeune salon ici, ça n'a même pas plusieurs années d'existence. Puis déjà, le salon a fait sa marque, et puis ces auteurs-là viennent de chez nous. Absolument, absolument. Écoutez, il y a un bouillonnement culturel qui, ma foi, encore en 2016, est méconnu dans l'Est ontarien. Tantôt, il faut dire qu'on considère l'Est ontarien comme étant tout ce qui est à l'est d'Ottawa. Tantôt, on inclut Ottawa. Donc, déjà là, il faudrait le situer peut-être un peu mieux. Mais qu'est-ce que tu dirais alors? Bien, moi, je vous dirais que l'Est ontarien inclut Ottawa. Ben oui. Et à plus forte raison, je vous dirais que pendant des années, on a considéré que le salon du livre pour Ottawa, bien, c'était le salon de l'Outaouais. Et puis moi, je vous dis qu'on a tout intérêt à changer ça un tout petit peu, à faire en sorte que, sans négliger le salon de l'Outaouais, bien sûr, mais que les gens d'Ottawa et que les gens de l'Outaouais puissent aussi trouver leur partie dans l'Est ontarien, c'est que le salon soit à Embrun, à Castleman, à Rockland ou ici même à Hawkesbury. On est quand même à une heure d'Ottawa, là, tout au plus. Oui, oui. Puis on sait que le salon de l'Outaouais, c'est très important, mm-hmm. comme le salon de Toronto est mm-hmm. important, comme celui de Montréal et celui de Paris. Mm-hmm. Et donc, tous les salons du livre sont importants. Oui. Mais le fait qu'on en ait un ici qui nous appartienne, où c'est nous qui célébrons notre littérature mm-hmm. et qui accueille les autres, c'est important, ça nous place sur la carte de la francophonie du monde. Absolument, ça nous place sur la carte et ça nous permet d'ouvrir à tous ces gens et à tout ce monde bien, les portes du nôtre, notre monde. À savoir que la réalité dans l'Est ontarien, comme vous le voyez si bien en fin de semaine, c'est une réalité qui est très communautaire. Donc, à plus forte raison, on est dans une école. Donc, ce sont les portes d'une école, ce sont les portes d'un conseil scolaire qui s'ouvrent pour faire place à ce monde tantôt imaginaire, tantôt réel, donc, que représentent les livres. Mmh. Et ben, il faut avouer aussi que l'école se veut le cœur, le creuset de ces communautés-là. Communautés d'apprentissage, comme on le dit si bien dans le jargon scolaire, oui, mais il y a lieu d'aller un peu plus loin. Là. On peut parler carrément de communauté littéraire et de communauté littérale. Absolument. Mm-hmm. Et les francophones, on a longtemps lutté pour avoir la gestion de nos écoles en disant que nos écoles étaient le cœur de nos communautés. Puis c'est vrai, comme tu le dis si bien, c'est vrai, on n'est pas le cœur rien que d'apprentissage des élèves, on est le cœur de la vie. Oui. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce sont des beaux édifices, ce sont des services, tous les services sont ici, les gens sont heureux de nous accueillir, on a des bénévoles extraordinaires. Oui. Donc c'est une grosse équipe qui travaille à l'organisation du salon. Et il ne faut pas oublier les partenariats aussi. Oui. On a toujours tout intérêt à inclure les écoles.
qui sont, bon, pardonnez-moi, là, si vous voulez, l'analogie qui est un peu dépassée, mais l'école est aujourd'hui ce qu'était l'Église à l'époque. Hein? Absolument. Tout passe par l'école. Et quand on allie à ça le phénomène apprentissage, ces jeunes-là, ben, ils sont non seulement les lecteurs de demain. Tu sais, il y a 15-20 ans, ben oui, il y a 15-20 ans, Ginette, on disait, ben, on va préparer ça, on va mettre la table, tu sais, pour que les jeunes deviennent des lecteurs. Mais là, ils sont des lecteurs. Ben oui. On a des jeunes qui lisent la poésie, qui lisent le roman policier, qui lisent le théâtre. Mais vous savez quoi? On a des lecteurs qui lisent l'essai aussi. Oui, ouais, ouais, absolument. Ils sont jeunes, de plus en plus jeunes. Oui, ouais. Absolument. Mm-hmm. Écoute, nous autres, à TV Rogers, on a une équipe de jeunes qui viennent des écoles de la région et qui sont avec nous. Ça s'appelle le programme Focus. Ils sont avec nous tous les jours, complètement, pendant tout un semestre. Mm-hmm. Et c'est impressionnant de voir le niveau de réflexion, la capacité d'analyse, de synthèse, de compréhension des enjeux de ces jeunes-là. Oui. Je trouve ça fascinant. Ceux qui disent que les jeunes sont tu sais, comme, où s'en va la jeunesse à cause des médias sociaux, je pense qu'ils n'ont pas rencontré les jeunes dans nos écoles. Bien, il y a plus pertinent que les médias sociaux aussi pour accrocher les jeunes, puis c'est ce phénomène d'efficience-là. Les jeunes sont tellement plus sensibles à l'efficience, c'est-à-dire de moins en moins de temps à perdre. Et ce qui fait en sorte, bon, on fera pas le panorama là, de la refonte des programmes cadres, tu sais, qui a été entamé plus, en 2001, mais bon, l'apprentissage, les domaines, les champs d'études, ont subi une compression en 2001. Les premières cohortes, bien, ça a été un peu plus pénible. Mais en 2016, on est à la 100e cohorte. Et puis là, bien, le ressac, il est plus éprouvé. Les jeunes apprennent ce qu'ils doivent apprendre, mais avec des moyens qui sont en accéléré. Ça, c'est ce qu'on dit. Mais ce qu'on omet, c'est qu'on a aussi les moyens d'approfondissement. Et les jeunes en bénéficient. Quand je vous disais tout à l'heure que le lecteur d'essais est aussi un lecteur. Le lecteur de documentaire est aussi un lecteur. Le lecteur de BD est un lecteur. Oui, mais les jeunes sont les lecteurs. Oui. Non seulement de ces BD-là, mais de ces essais-là. Mm-hmm. Les jeunes sont enclins à apprendre la pensée critique. Donc, raison logique, pensée critique, mais il y a des mécanismes qui donnent lieu à ça. Mm-hmm. Et de plus en plus, les jeunes posent les questions pour obtenir la réponse. Donc, je pense qu'on... Puis de plus en plus, ils n'acceptent pas n'importe quelle réponse. Ils n'acceptent pas n'importe quelle réponse. Il faut une authenticité. Ils sont capables de déceler l'authenticité. Ils sont renseignés. Le phénomène, je reviens aux médias sociaux, le phénomène du blog aura à tout le moins permis ça. Oui. Les jeunes ont le sens du débat beaucoup plus que nous l'avions. Mm-hmm. Et puis je pense qu'en littérature même, ben, ça s'éprouve, ça. On va aller à la pause, Éric. Oui. Au retour, on va parler de toi comme auteur, parce qu'on a parlé du Salon du livre, dont tu es le président. On va parler aussi, on a parlé des jeunes, mais c'est pas rien pour les jeunes, le Salon du livre. Mm-hmm. Et toi, tu es poète, d'abord et avant tout, dans l'âme, mais tu as tellement une grande facilité à jouer avec les mots. On revient dans quelques instants. Reste avec nous, je suis en compagnie d'Éric Charlebois au Salon du livre de l'Est ontarien. Je suis en compagnie d'Éric Charlebois. Il est président du Salon du livre de l'Est ontarien. Il est poète. C'est un homme d'écriture, c'est un homme de parole. Les mots, c'est important pour toi. Hein? C'est la matière avec laquelle tu travailles. Ça commence par le mot. Oui, je te dirais même que le mot va souvent générer l'émotion. Et non pas l'inverse. Chez toi? Chez moi, oui. Parce que chez les gens, après qu'on te lit, t'es vrai, t'as raison. Je l'espère. Mais l'émotion pure, à l'instant même où elle est vécue, de par sa nature, doit être innommable. Donc, dès qu'on parvient à la désigner par le biais d'un mot, la plupart du temps, bien, elle est déjà partie. Donc, la fugacité, c'est le caractère même propre au nom par lequel on désigne l'émotion. Tant qu'on la nomme pas, bien, on est encore en train de l'éprouver. Donc, on a le choix. On est encore au niveau d'un concept qui n'est pas concrétisé. Exactement, qui nous tu fait concrétises les émotions par des mots que tu inventes. Parfois. Très souvent. Par des mots que tu mets ensemble. Je peux ouvrir il y a trois, Aile de tôle, tu étais venu à l'émission. Oui. Lorsque tu as publié Aile de tôle, je ne sais pas, je peux ouvrir n'importe où, là, puis trouver quelque chose. Je dis ça, là, puis je... Il y en a un peu moins dans Aile de tôle. Tu penses qu'il y en a un peu moins dans Aile de tôle?
Nous faisons l'amniosynthèse de chaque circulaire des rabais. Tu parles des rabais qui nous arrivent à toutes les semaines. Oui, ben le fameux Publisac. Le Publisac. Oui, absolument. Nous faisons l'amniosynthèse. Oui. Ça s'appelle compost partum. Oui, compost partum, qui en soi est une fusion de mots. Là. Ben donc, oui. le postpartum, c'est mais le postpartum plutôt, c'est compost. Le compostage. Oui. Ouais. Écoute, je m'éloigne de plus en plus du jeu de mots. Tu t'éloignes du jeu de mots? Oui, mais il y a de moins en moins un jeu. Donc, je m'éloigne pas nécessairement de la fusion, puis de la fabrication, puis de la création de mots. Mais je m'éloigne du phénomène écran derrière lequel me cacher. Donc, c'est pas un jeu, c'est-à-dire que quand ça sort maintenant, c'est qu'il y a réellement quelque chose à livrer, plutôt que quelque chose à dissimuler, comme ça a été le cas, du moins dans les cinq premiers. Oui. Là, ouais. Alors, est-ce que ces mots-là, ils te viennent sans que tu t'en rendes compte? Non, je peux pas, Tu y réfléchis. Ouais, je peux pas vous dire que c'est malgré moi. Toutefois, il se peut que c'est toute une question d'assonance. Et c'est une question, bon, encore une fois, on n'ira pas trop en détail, mais si on entend sa propre voix, autant qu'on entend la voix des autres à son esprit, ben déjà là, il y a un premier pas vers la poésie. Donc, quand on vous dit que la poésie, elle est orale et oralisée, c'est pas tout à fait juste. La poésie, elle est entendue, auditive, acoustique. Ça, c'est un peu plus juste. Donc, pour revenir C'est une musique. Ouais, pour revenir à C'est pour ça que l'amniosynthèse. C'est tellement plaisant d'assister à une soirée de lecture de poésie. C'est pas la même chose, lecture de poésie, que lecture d'un extrait de roman. Extrait de roman, c'est bien aussi. Oui. Mais la lecture de la poésie, c'est une musique. Il y a le rythme. Il y a le rythme. Il y a le rythme en poésie qui n'est pas le propre du roman. Il y a aussi donc les consonances. Les consonances assonances, oui. Tu as tout à fait raison, les vocaliques, la voyelle ouverte, la voyelle fermée, l'alternance, l'allitération, donc la répétition des consonnes. On procède anaphoriquement, donc des répétitions en début de vers et ainsi de suite. Il me semble que tu as gagné un prix l'année passée. Est-ce que tu as gagné une nomination? Non, puisqu'on me pose la question, en ondes, je le dirai, ça fait déjà un bout de temps. Là, que ça fait longtemps que tu n'as pas gagné de prix. Ouais, il serait temps qu'il va t'en donner un. Je pense que... Il t'est dû. T'es dû pour gagner un prix. Ça, mais ouais. Toi qui fais tellement de choses, bien sûr, ta poésie, c'est toujours un plaisir. C'est quelque chose qui nous fait sourire, mais qui nous fait réfléchir aussi. Est-ce que c'est ça que tu veux faire, réfléchir? Oui, absolument. Oui. Provoquer. Provoquer. Avant tu même, provoques. Ouais, avant même de susciter l'émotion, on veut provoquer une certaine cérébralité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a, oui, réflexion. Comme tu me le demandais, on y pense avant de faire la fusion des mots, mais on pense aussi au contraste. Donc, en poésie, l'un des procédés, selon moi encore, après 9 livres, je te dirais que c'est le cas, les plus efficaces, c'est de jouer avec les contrastes. Non pas les contradictions, les contrastes. C'est-à-dire qu'il faut... Il faut que les contraires puissent coexister. Ah oui, dans le mot. Mais okay. C'est ça, mais qu'ils soient quand même percutants. Oui. Donc, le ciel n'a pas toujours à être bleu. Non. Pour vous donner un exemple très, très banal, le ciel peut aussi être vert. Et à bien y penser, est-ce qu'on pourrait avoir des reflets verdoyants dans le ciel? Absolument. Absolument, si on a le ciel au-dessus d'une plaine. Mm-hmm. Donc, selon le degré où on se situe, à travers les molécules qui sont là pour reproduire. Donc, ce qui me fait vous dire... Puis l'émotion ne sera pas la même. Ben ce qu'on non. reçoit de... Et la construction n'est pas la même. La construction n'est pas la même. Donc, nécessairement, on pense par un panorama, par un paysage. Et tes poèmes, écoute, je les recommande à tout le monde, c'est sûr. Puis j'espère que tu vas venir plus longtemps à l'émission la prochaine fois Absolument. Pour en parler plus longuement. Est-ce que tu fais toujours du travail dans les pénitenciers? La dernière fois que j'y suis allé, ça a été la dernière fois pour un an. OK. OK, ce qui veut dire qu'au printemps prochain, là, je leur ai dit qu'on pourrait s'en reparler. OK. Qu'ils pourraient me rappeler. On aimerait ça aller avec toi lorsque tu iras. Oui, on s'en est parlé on la dernière t'est parlé, fois. J'aimerais beaucoup oui. ça. Oui. L'autre chose, c'est que je sais, on n'a pas beaucoup de temps, on a à peine 2 minutes, mais tu es en train de faire une maîtrise mm-hmm. en traduction littéraire. Absolument, oui. Oui. Tu veux être comme Daniel Poliquin, c'est un de... Ah oui, Daniel Poliquin, c'est d'ailleurs c'est un ami, mais c'est une idole oui, aussi. Oui, oui, oui. C'est assez juste. En roman, comme en poésie et en théâtre d'ailleurs. Et tu oui. fais du français à l'anglais et de l'anglais au français. Je fais des deux sens, oui, absolument, absolument. À l'heure actuelle, je suis en train d'aborder une deuxième traduction en quelques mois de l'anglais vers le français. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? J'ai pas encore choisi, là. Je suis en train d'en lire 3. OK. Je peux vous dire que c'est issu de chez Brooklyn Press. OK?
qui est un éditeur sublime à Toronto. À Toronto, oui. Oui, et que ce sera publié chez les éditions David. Ah, okay. Donc, qui est la maison d'édition. Alors, cette traduction-là va être de l'anglais au français. Oui. Et c'est un roman? C'est de la poésie. C'est de la poésie. De la poésie de la part, le premier qui est fait, ça je peux en parler, c'est David Groux, qui est un auteur autochtone d'Ottawa, oui, même. Oui. Donc, c'est Imagine Mercy, oui, que j'ai traduit et qui devrait sortir vers le milieu. Est-ce que tu lui as parlé, à M. Groux? Oui, c'est, oui, comme ça qu'on, c'est comme ça qu'on s'est abordé à Trois-Rivières. Oui. Au Festival de Trois-Rivières, David avait comme oublié d'apporter des poèmes en français. Je peux même pas vous dire s'il y en avait effectivement. Puis tu les as traduits pour je lui? Je les ai traduits. J'ai passé deux soirs en chambre d'hôtel pour le lendemain. Puis là, tu as eu le goût. C'est fou comment les choses arrivent dans absolument, notre vie. Ouais. Hey, Éric, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous rencontrer. Félicitations pour le Salon du livre. C'est merveilleux. Et on c'est va pas rencontrer... mon œuvre, c'est l'œuvre des bénévoles, oui, de Mme Rachel Boucher, c'est l'œuvre de M. Rachel, Mascotte, de, oui, Marc, oui, oui, et puis des bénévoles, oui, qui ont eu l'idée brillante de te demander de présider. Ah, ben là. Et, mais non, mais c'est important aussi, la figure de proue. Merci beaucoup. Merci beaucoup, et Ginette. Et puis, bonne fin de salon. Merci beaucoup. À bientôt. On revient dans quelques instants. Nous sommes toujours au Salon du livre de l'Est ontarien et j'ai avec moi trois écrivains. André Sarrazin, qui bonjour. A sa propre... Bonjour, André. Qui a sa propre maison d'édition qui s'appelle SIC. C'est une ça. Maison autochtone. Exactement. Ça veut dire quoi, SIC? Sarrazin Intercommunication. Ah, bon, tiens, c'était aussi simple que ça. C'est pas compliqué. Lisette Brochu, que vous connaissez. Lisette, que... une auteure bien connue qui a fait des stages en France, qui a gagné plein de prix, qui a écrit des livres superbes pour enfants, pour adultes aussi. Maintenant, ton premier roman, Brûlant secret de Marianne, on va avoir le temps d'en parler un peu, mais il faut que tu reviennes à l'émission pour nous en parler. C'est déchirant, c'est beau, ça parle d'une époque, c'est révolu, mais c'est très beau. Et Lucie Thériault, bonjour, Jeanette, qui était venue à l'émission lorsqu'elle avait publié son premier livre qui s'intitulait Survivre à l'inceste. Papa plus jamais. Papa plus jamais. Et ensuite, tu étais revenue pour nous parler de Titi l'abeille s'accroche à Madame Farfelue et de tous tes nouveaux projets pour enfants. Oui. Donc, on va parler de tout ça. On va commencer avec André. André, que je t'ai jamais reçu à l'émission. On se peut se tutoyer, André? Bien sûr. OK. Bien. Alors, entre autochtones, on peut se tutoyer. C'est plus sympathique. Exactement. tu écris, après avoir fait carrière au gouvernement? Ou dans les organismes? Non, en fait, j'ai toujours été un travailleur autonome. Okay. Je suis un rédacteur. Ah, d'accord. Toute ma vie, j'étais rédacteur. Des demandes de subventions pour des groupes, des rapports au gouvernement et de la traduction aussi. De là, Sarrazin Intercommunication, là, c'est une firme de consultation et de rédaction. D'accord, oui. Et un certain temps, je me suis un peu écœuré. J'en fais encore parce que ça paye, la rédaction. Payer facture. Ça paye, hein? Un peu, ouais, plus que un des peu livres. Un peu plus que des livres. C'est ça, c'est ça. On ne fait pas des livres comme ça pour faire de l'argent, là. Non, on fait ça par amour, hein? On fait ça par amour, oui. On fait ça par amour. Donc là, aujourd'hui, au Salon du livre, tu nous présentes deux livres qui sont les tiens, « Abus et exploitation », et l'autre, « Contes d'outre-mer », d'outre-monde. C'est très différent, là. Oui, oui, bien oui, c'est ça, c'est de la science-fiction ou c'est ça, c'est du fantastique? Ça, c'est de la fantaisie. Fantaisie, science-fiction. En fait, je suis dans dans l'encyclopédie des auteurs de l'imaginaire. De l'Amérique française, je crois que vous y êtes, ou je ne sais pas. Ah oui. Et puis, celui-là est là. Comme j'ai dit, je suis rédacteur. Toute ma vie, c'est de la rédaction technique. Là, mais ça, ce n'est pas de la rédaction non, technique. Non, ça, j'ai pris un sabbatique de 3 mois, parce que j'en avais assez, j'en avais soupé de la rédaction traditionnelle. Et je me suis aligné à Marseille, en France, dans les Calanques. Puis là, j'ai décidé de faire mon monde de science-fiction et de fantaisie. Ça se passe dans les Calanques, à Marseille, en France. Vous aviez loué une petite maison? Non, j'avais des amis qui demeuraient à Marseille. Maintenant, ils ont changé.
Et puis, bon, ils m'ont logé pour une semaine ou deux. Ensuite, je suis allé, comme c'était l'été, je suis allé dans la résidence pour les docteurs et les infirmières et ces choses-là, les gens qui vont étudier en médecine. Parce que là-bas, c'est spécialisé à Marseille. Alors, j'étais là. Alors, vous avez pris 3 mois pour écrire ce livre ici. Oui. Mais ça a dû mijoter dans votre tête avant ça. On ne peut pas écrire un livre. Ça mijotait. J'avais fait. Oui, c'est ça. Non, j'avais fait mes scénarios de chacun de mes contes. Oui. Mes scénarios. J'ai vraiment hâte de le lire. Hein? Je ne le connais pas. Les labyrinthes des temps perdus. L'ortie et la fleur de lavande. Ben oui, vous étiez dans le sud de la France. Exactement. Et puis les images, les dessins sont un petit peu osés aussi. Je dis, bon, je vais pas l'écran. Le petit monde de Zoul. Alors, vous faites les dessins, pardon? Non, c'est un copain, un illustrateur, Michel Lavigne, qui est aussi de Rockland, qui a fait mes illustrations. Je lui ai donné carte blanche. Il a lu mes textes, puis il a fait les illustrations. Il est inspiré. Puis celui-là, situation immorale, inhumaine et criminelle. Je suis retourné dans le monde de la rédaction pour longtemps et j'ai travaillé avec l'Assemblée des aînés francophones du Canada pendant 10 ans de temps. Et puis, je me promenais à travers les provinces, je rencontrais des groupes d'aînés partout. Puis là, je récoltais. Les aînés parlent beaucoup. Alors, ils se sont confiés à moi puis ils m'ont conté des situations d'abus, d'exploitation, de membres de famille, d'amis, de parenté. Et moi, je rentrais à l'hôtel le soir puis je prenais des notes. De ça. Un de ces jours, bon, j'ai vu mes notes qui étaient toutes ensemble. J'ai dit, je vais en écrire un premier. Ce sont des vrais témoignages de personnes qui ont subi des situations d'abus et d'exploitation. Des vrais témoignages. Je neutralise l'endroit, je neutralise les personnes, mais les témoignages sont véridiques. C'est quelle sorte d'abus? Ben, il y a des abus d'exploitation financière. Ouais, exploitation financière, comme on voit souvent, soit la fille ou le fils qui emprunte de l'argent de sa mère, comme j'en ai une là-dedans, une histoire de ça. La fille avait emprunté, puis là, c'était rendu, la mère, elle gardait les notes, mais la fille, elle ne remettait jamais. Puis finalement, elle était rendue au-dessus de 10 000 $. Puis la mère avait de la difficulté à payer ses médicaments puis sa nourriture. Puis la fille, elle vivait bien, puis elle n'osait pas lui dire, etc. Oui. etc. Oui. L'autre, alors, qui est des choses très communes, c'est la maison familiale. La maison familiale, normalement, ce cas-là, c'est un couple, le fils qui est allé habiter avec sa mère. Il a tassé la mère dans 2 salles, puis c'est une grosse maison de 2 étages. Puis il a pris la maison. Puis il a pris la maison. Puis là, il empêchait qu'elle reçoive ses amis, parce qu'à chaque semaine, tu sais. Alors, c'était une forme d'exploitation et d'abus. Ça, c'est de l'abus, en fait, là, d'exploitation de sa mère, comme ça. Oui. C'est pour ça qu'en France... Qu'est-ce que ça fait, André, puis je pourrais poser la question à Lucie, puis à Lisette aussi, d'écrire sur ce côté trouble de l'être humain? Comment on se sent quand on écrit là-dessus? Quand on écrit, en fait, on s'embarque vraiment dans le sujet. On s'embarque comme, tu sais, c'est une partie de nous. Oui, c'est une partie, c'est sûr. Puis ça, je dois vous avouer, j'écrivais la base d'un témoignage, puis je faisais j'arrête. J'allais prendre une marche dans la forêt, puis là, je revenais au chalet, je me réinstallais, je continuais. Avec beaucoup d'émotion, d'ailleurs, je le sens encore en parlant. J'imagine, je le ressens en t'écoutant parler, et puis rien qu'en y pensant même. Écoute, on va aller à une pause, on revient, puis on va voir, il y a des liens, hein, un peu entre ça, mais Marianne, penses-tu? Un peu, oui, beaucoup. Oui, on revient dans quelques instants, restez avec nous. Revenons avec les auteurs qui sont ici, qui ont eu la gentillesse d'accepter notre invitation à venir nous rencontrer. On est au Salon du livre de l'Est ontarien à Roxbury, à l'École secondaire catholique régionale. C'est une école du Conseil des écoles catholiques de l'Est. Et j'ai avec moi Lucie Thériault,
Lisette Brochu, André Sarrazin. Lisette, tu viens d'entendre ce que André nous a raconté au sujet de abus et exploitation. C'est surtout de l'abus et d'exploitation de personnes âgées, des aînés qui ont été exploités par leur famille habituellement, de façon assez triste. Mais c'est pas toujours... Il y a des liens entre ça et ton roman, Brûlant secret de Marianne. Oui, quand j'écoutais André, je pensais, quand on écrit un témoignage, il faut qu'il y ait de l'émotion. Parce que sans ça, si on fait juste écrire un rapport avec notre tête, ça ne touchera pas les gens. Non. Puis c'est évident qu'André, quand il parlait, on l'a vu, il y avait encore l'émotion. Parce que c'est comme ça que c'est littéraire aussi. On ne peut rien écrire de littéraire s'il n'y a pas de l'émotion en partant. Brûlant secret de Marianne, c'est un ami à moi qui est venu un soir, c'est-à-dire à moi, à Maurice et à moi, parce que Maurice le connaît depuis 70 ans. Imagine, hein? Et il nous avait mais jamais parlé. Tu viens de dire votre âge à toi, oui, et à Maurice. Hein? Maurice, c'est son mari. Moi, je suis beaucoup plus jeune. Toi, tu es beaucoup plus jeune. Oui, je suis d'accord. Oui, je sais. Tu es la plus jeune aussi. Oui, oui. Disons. Puis, il est venu puis il nous a parlé de la grand-mère, sa grand-mère. Il n'avait jamais parlé de sa grand-mère avant. Et ce qu'il racontait, c'était tellement troublant que pendant 2 ans, je pensais à ça. Tous les soirs, je me couchais puis je me disais, « Oh, pauvre Marianne, je suis donc chanceuse de ne pas avoir une vie comme elle. » Alors, au bout de 2 ans, ça suffit. Là, je trouvais qu'elle me hantait pas mal. Alors, j'ai demandé à mon amie si c'était correct que je me serve de ces anecdotes qu'il m'avait racontées, surtout une. Et que j'en fasse un roman. Oui, pas de problème, ça fait plaisir. C'est de la fin? Non, tu veux nous dire surtout, hein? Oui. Ah oui. Oui. Alors, oui, la fin, entre autres, qui est assez brutale. Puis, j'avais rien, là. Alors, lui, il a appelé une tante pour avoir d'autres anecdotes. Puis, ça fait plus de 100 ans parce que le livre commence en 1894 et se termine en 1934. Donc, ça faisait un bout de temps. Il y avait des choses qui nous échappaient. Alors, j'ai romancé à travers ça. Puis, je me dis, quand on raconte la vie de quelqu'un, on la bénit, sa vie. Comme ça va devenir inoubliable, parce que là, elle était anonyme. Je voulais lui donner une voix, lui donner donner un sens à sa vie. T'sais? Parce que pauvre Marianne, non seulement elle est venue au monde, sa mère est morte, elle avait 3 ans. Pardon. Elle a vécu dans le temps de la grippe espagnole. Tu as lu, hein? Oui, j'ai lu. Pardon, hein? Allez, vas-y, prends de l'eau. C'est un livre... Je dis c'est déchirant, parce qu'elle a une vie déchirante, mais c'est très beau. C'est surtout très bien écrit. C'est écrit avec émotion et douceur aussi en même temps, même si c'est un livre difficile. Est-ce que tu l'as lu? Oui, je l'ai lu, puis moi, je l'ai beaucoup aimé. Hein. À la fin du livre, j'ai communiqué avec Lisette parce que je voulais continuer. J'ai ramassé sur la fin, moi aussi. Il y a beaucoup de gens qui t'ont appelé hein, quand ils ont lu la fin. On aimerait ça, avoir une suite. Avoir une suite. Et puis, au début, je ne voulais pas écrire une suite parce que je voulais sortir de ce monde qui avait difficile. Été si dur. Oui. Comme André, tu dis, c'est troublant pour toi aussi qu'il écrit ça, là. Oui. Parce qu'il faut que tu le vives. Ah oui, puis je découvrais tous ses secrets. En somme, j'ai mis Brûlant secret parce que mon auteur préféré, Stéphane Zweig, avait déjà écrit un livre qui s'appelait Brûlant secret. Et moi, toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir une petite fille ou une fille qui s'appelait Marianne. Et ça jamais à donner. Ah, ben la voici. Alors, j'ai dit, je vais m'en donner une. Alors, Brûlant secret de Marianne. Puis c'était son vrai nom, d'ailleurs. Marianne, je l'ai gardé. Ah, oh, ben c'est quoi? Alors, il y a 5 secrets. Le premier, je pense qu'on peut le dévoiler, c'est l'inceste. Mm-hmm. Oui. Oui. Quand elle était jeune au couvent, elle est venue au monde à Fourmier. Quand elle a eu 3 ans, elle est allée vivre avec une tante à Castleman. Et ensuite, elle a étudié à Van Cleek Hill. Son père est venu la chercher et il l'a emmenée vivre à Cobalt, dans le nord de l'Ontario. Dans ces années-là, c'était des mines, c'était la vie dure. Oui. Et elle rencontre le beau Albert, qui a 25 ans, et elle en a 15.
Elle le marie et elle va aller vivre Matheson avec les mouches noires, puis les ours, puis tous les malheurs. Et en plus, c'était le temps des grands feux en 1916. Ouais. Le grand feu qu'il y a eu dans le Nord qui a ravagé tous leurs biens. C'était la vie dure, hein? Même si elle voulait être heureuse, elle n'avait pas de chance. Puis en plus, elle avait une maladie qui n'était pas diagnostiquée. Mais aujourd'hui, on dirait peut-être une maladie mentale quelconque, puis on mettrait une étiquette. On mettrait un nom dessus. Oui. Là, elle ne comprend même pas, elle ne se comprend pas dans ça, son mari non plus. Elle a des enfants à travers ça, des maladies pour les enfants. En tout cas, c'était une vie. Je me dis, pauvre Marianne, je suis tellement contente que je t'ai donné une voix. Est-ce que des fois que tu écrivais l'histoire, puis il te manquait des bouts, puis il y a quelque chose qui te venait, est-ce que tu as l'impression d'avoir été en contact avec... Là, parce que moi, je crois qu'on continue après la vie, là. Est-ce que tu as l'impression d'avoir été en contact avec elle? Moi, j'ai l'impression qu'on est tous en contact les uns avec les autres, qu'on soit partis ou non. Ici. Il y a comme des cellules dans notre corps, dans ça, qui ont une mémoire collective. C'est comme ça que je l'explique. Et Marianne, elle m'habitait. Je pouvais la reconnaître, je pouvais ressentir ce qu'elle avait vécu. Alors, je ne sais pas, mais... Est-ce qu'elle a continué à t'habiter après la publication du livre? Oui, elle pour continue un bout encore? De temps. Pour un bout de temps, puis oui. Là, le monde disait, ben, tu vas écrire la suite, puis moi, je disais, non, je ne peux pas écrire la suite. T'es pas, c'est pas vrai, t'es en train d'écrire. Oui, mais j'y vais lentement parce que le roman est tout dans ma tête. OK. Mais... C'est tellement un monde, tout un monde que, en tout cas, moi, je ne connaissais pas du tout, d'ailleurs, ce coin-là de pays. Matheson. C'était Matheson. Puis, Kirkland Lake. Oui. Je viens de Sudbury. T'es allée dans la région, t'es allée visiter pour écrire? Oui, j'étais allée trois fois visiter, aller voir les musées là-bas, ce qu'il y avait. Je voulais voir la Black River. Écoute, il faut aller à la pause. Oui. On revient, puis on parle de tes autres livres aussi rapidement. Ça ici, c'est le livre quand tu es allée à... C'était où, donc? À Vézelay, en France, où tu étais auteur invité. Oui, oui. Je me souviens, on en avait parlé. C'est beau, hein? Toi, tu es allée à Marseille. Vézelay, c'est où? C'est où? Ah, Vézelay, c'est dans Lyon, en Bourgogne. C'est à peu près à 100 km de Dijon. OK, donc on est du côté ouest? Dijon, on est complètement ouest. La Bourgogne, c'est du côté ouest, sud-ouest, ou un peu plus vers le haut. Oui, c'est ça, en plein ça. On s'en va à la pause, on revient dans quelques instants. Restez avec nous. Compagnie d'André Sarrazin, Lisette Brochu, Lucie Thériault, trois auteurs, trois écrivains de l'Ontario français. C'est vraiment riche, hein, la littérature d'ici, maintenant. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que notre littérature, elle est universelle. Elle n'est plus rien que tournée vers nous-mêmes à essayer de défendre qui on est, puis se dire, puis s'expliquer. Plurielle et universelle et intemporelle. Oui. Mmh? Oui, absolument. Là, tu viens de le prouver avec Brûlant secret de Marianne ou les livres dont des contes d'outre-monde. Je veux dire, c'est outre-monde. On est rendu même dans l'espace. Parle-nous de ton séjour à Vézelay, dans Bourgogne. Oui, j'ai eu une belle occasion d'aller dans une résidence d'écrivain, l'écrivain Jules Roy, qui était ami avec Camus et connaissait bien Antoine de Saint-Exupéry. Et il a laissé sa résidence en l'an 2000, il est décédé, puis il a laissé sa résidence aux écrivains qui viendraient écrire dans sa maison en Lyon, à Vézelay, Bourgogne. Oui. Et là, j'ai fait une demande, puis on m'avait dit... On est dans une école. Oui. Alors, tu as fait une demande pour aller. Oui, puis on m'avait dit, bien, peut-être dans quelques années, tout ça. Puis, quelques mois plus tard, on m'a appelé, puis on m'a dit, écoutez, on a étudié tout ça, puis on aimerait vous recevoir en octobre et novembre de cette année. Alors, moi, oui, certain. Bien, j'ai pas refusé. Et pendant que j'étais là, je suis arrivée, j'avais un rhume, c'était un peu comme aujourd'hui, et j'avais l'intention de finir mon parfum de rose et de tabac.
Alors, parce qu'il me restait quelques petites histoires à faire pour ça, alors je me suis dit, trois petits tours et puis s'en vont. Oui, oui. Je vais écrire trois petites histoires de Vézelay. Mais rendu là-bas, je suis devenue complètement amoureuse et accro à Vézelay. Oh, j'ai aimé ce lieu. Puis Maurice faisait mon éclaireur. Il partait, prenait des photos. Il en a pris plus de 2000. Et là, il disait, faut que tu viennes voir ça. Alors, moi, j'écrivais le matin. L'après-midi, j'allais voir ce que mon fameux mari avait trouvé. Rachel Villeneuve au secrétariat. Je voulais surtout finir mon livre, puis que les gens découvrent Jules Roy en même temps que moi. Alors, j'ai écrit des lettres. J'ai dit, tiens, c'est ça que je vais faire. Je vais y écrire parce que j'ai besoin d'y parler. Alors, à Jules Roy, que tu connaissais? J'écrivais post-restante. Non, okay. Je ne connaissais pas connaissais du pas. Tout. Alors, j'ai dit, bon, bien, on est rendu dans votre maison. Première lettre, c'était Monsieur Roy. Un peu plus tard, bien là, j'étais, je peux peut-être vous appeler Jules, hein? Parce que je commençais à le connaître de mieux en mieux. Je suis allée rencontrer son épouse. Alité est très malade. Et les gens de Vézelay me parlaient de Jules Roy, mais ils me racontaient des anecdotes. Alors moi, je revenais avec mes lettres. Puis là, je lui ai écrit 25 lettres. Et en plus, c'est les 25 lettres? Oui. Et à la fin, un genre d'échange, conversation avec Jules Roy. Même s'il est décédé, il y a moyen de faire une conversation. En tout cas, ça a été une belle expérience que je souhaite à tout le monde. Là, oui! Mais je souhaite à tout le monde. C'est pas n'importe qui peut se rendre, être un auteur invité dans une maison littéraire comme ça. Oui, c'était vraiment qu'est-ce qu'il a écrit, Jules Roy? Jules Roy, il a écrit 50 livres. Ah oui. Beaucoup de l'Algérie, parce qu'il oui. est né en Algérie. Oui, bien, s'il était ami avec Antoine de Saint-Exupéry oui, aussi. Oui, et c'était surtout, oui, il était ami avec Camus. Avec Camus, bien oui. oui, c'est ça. Alors, on est dans le sud, dans oui, le nord. Oui, il a écrit des romans, il a écrit un hymne à Marie-Madeleine, parce que faut juste mentionner ça, parce qu'il était fou de Marie-Madeleine. Mais oui, mais tu étais dans le coin aussi. Là, des... Il était en amour avec la statue, là. Tu sais, comme j'y ai écrit là-dessus, j'y ai parlé. La Vierge Noire? Non, celle qui est... La statue de Marie-Madeleine. Dans la crypte, il y a les reliques, apparemment, de Marie-Madeleine. Tu étais là? Ah, oh, je suis jalouse. Moi aussi, je suis en amour avec Marie-Madeleine. Ah oui? Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ah, oui. Ah ben, regarde donc. Ah, oui, j'ai tout lu. Tu aurais bien aimé Jules Roy. Ben, je vais le lire. Oui. Je vais l'aimer. Tu m'as fait découvrir. Pas que j'aime pas Marie-Madeleine. C'est juste que je trouvais qu'il l'aimait peut-être un trop. Peu trop. Une rose tous les matins qu'il allait lui porter. Mais pourquoi pas? Au point de rendre sa femme jalouse. Ah oui, pour le vrai. Je trouvais que c'était mystérieux, là. Ben, tiens, mais pourquoi pas? Moi, je suis pas en amour comme j'ai, ça. J'ai découvert pourquoi. Pour moi, j'ai une hypothèse. Je vous le dis pas. Faut-il dans l'émission, on va parler de Marie-Madeleine. Lucie, t'as entendu. Déjà, l'émission. L'autre émission, c'est plus long. Oui, oui. Lucie, oui. Tu as entendu l'histoire de Marianne. Marianne, puis je l'ai lu. Oui. Tu l'as lu. Ton premier livre portait sur l'inceste parce que tu as été victime d'inceste de ton père. De la part de ton père, quand tu étais petite, tu as écrit « Papa, plus jamais ». Ça a été pour toi une thérapie d'écrire. Ah oui, oui, oui. Maintenant, c'est derrière toi? Oui, absolument. Ben, c'est ça. Ça t'habite. Ça t'habite, tu t'en souviens. Oui, oui, oui. Mais là, c'est que maintenant, comme vous autres, vous avez plutôt écrit sur de la part de quelqu'un d'autre. Moi, c'est mon expérience. Mais pas. Lisette, elle a aussi de la part de elle dans ses romans. Mais qu'est-ce que je voulais dire pour l'inceste, par exemple, c'est qu'un abus. Moi, qu'est-ce qui me poussait à continuer à écrire? Parce qu'au début, je ne pouvais même pas écrire le mot inceste, je disais « it ». Tu sais, « it », je l'appelais « it ». Je n'étais pas capable de dire le mot même. Mais plus j'écrivais, plus que je... Non, ça me... Mais il y a quelque chose en dedans de moi qui me poussait à l'écrire. C'est... Je me suis mis comme un peu à côté, je me suis enlevée du chemin, comme on dit souvent. Je me suis enlevée... J'ai dit « c'est quoi le message que... » Il faut que j'écrive. Puis c'est ça qui m'a poussé à écrire mon premier livre, Papa plus jamais. Et puis c'est un livre, en effet, j'écris pas de qu'est-ce qui s'est passé entre mon père et moi. Non. Rien de graphique. C'est surtout le cheminement que j'ai pris pour me guérir. Oui, puis moi, quand j'ai lu ton livre, j'ai trouvé ça tellement inspirant parce qu'on avait lu beaucoup des mêmes livres. Oui, oui. Et puis, tu mets une liste des livres à la fin que tu as lu qui t'ont aidé à traverser.
cette peine, ce traumatisme qui vivait à l'intérieur de toi. Tu es humilié, puis embarrassé, puis tu veux te cacher, puis tu veux pas être, comme on disait toujours, mes sœurs et moi, on disait, on n'était pas tombé dans la bonne famille. C'était pas la famille que j'ai voulu choisir. Je voulais pas avoir cette famille-là, mais je pense que j'ai été dans la bonne famille pour pouvoir aider à d'autres victimes maintenant aujourd'hui s'en sortir. Puis là, maintenant, tu écris pour les enfants. Alors oui, mon premier livre, c'était Titi l'abeille. Bien, on va aller à la pause. Ah puis oui, okay. Au retour, on va parler de tes livres. Parfait. Le dernier, Parc-nique. Ça s'appelle Parc-nique. Un parc pour tout le monde. Pour tout le monde. Oui. Avec les petits-enfants en fauteuil roulant. Oui, puis c'est... On revient tout de suite. Restez avec nous. Lucitério, tu as décidé finalement d'utiliser ton nom, hein? Oui, c'est ça. Mon premier livre, je voulais protéger ma famille, tout ça. Oui, parce que c'était le livre sur l'inceste. C'est ça. Mais maintenant... Là, je vais avec mon nom. Oui. Alors, Mani, c'est le nom que ta petite fille t'a donné ce nom-là. Mani. Oui. Non pas Mamie, mais Mani. Elle ne voulait pas m'appeler Mamie. Elle ne voulait pas t'appeler Mamie. C'était Mani. Puis là, ma deuxième, elle m'appelle Mamie, elle. Ah oui? Fait que là, je suis Mani Mamie. Ah ben... c'est compliqué. Mani. Moi, c'est Mime. Imagine, tu parles d'un nom, hein? Alors, Titi l'abeille s'accroche à Madame Farfelue. C'était mon premier. Le deuxième, Saperlipopette Alex chante des rimettes plus chouettes. Oui. Celui que tu es venu me porter pour les petits. Et puis le dernier, Un parc pour tout le monde. Qu'est-ce que tu veux raconter aux enfants dans tes livres? Bien, je vais parler surtout de parc Nick, un parc pour tout le monde, parce que ça m'a été inspiré par Patrice Dagenais. Mm. Puis Patrice, c'est un monsieur qui est un tétraplégique, qui il joue pour le rugby. Je vais le dire comme il faut. Wheelchair, non. Un rugby en fauteuil roulant pour les paralympiques du Canada. Oui. Alors, il est pour l'équipe canadienne. Oui, puis c'est un sport extrêmement rude et violent. Qui est pas facile. Tout ce que vous voulez, c'est pas facile. Puis il m'a inspiré parce qu'à Embrun, on a un parc pour lui. On l'appelle Pico. Oui. Hein? Puis on a un parc pour lui. Puis il y avait une petite pancarte là, qui était là. Puis il donnait un résumé sur son cheminement comme tétraplégique. Puis je trouvais ça bien intéressant. Mais deux semaines après, je pense, la pancarte est plus là, est brisée. Donc là, j'ai comme fait une histoire reliée à cette pancarte-là. On parle un petit peu de vandalisme là-dedans. Mais le plus gros message, c'est qu'on veut dire à nos gouvernements municipaux de construire des parcs pour tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, si on va dans les parcs, il y a des beaux pavés qui se rendent du chemin au carreau de sable. Une personne en fauteuil roulant ne peut pas se rendre aux structures de jeu parce que c'est du sable. Mais oui. Alors, moi, j'en parle là-dedans. Puis là, c'est des jeunes qui travaillent pour convaincre le maire de construire des parcs qui sont accessibles à tout le monde. À tout le monde. Puis, il est en anglais, c'est « on ». Oui, fait le tête bêche. Tête bêche. Il est en anglais. C'est important pour toi de publier en français et en anglais, hein? Oui, parce que je suis née d'un milieu anglais-français. Oui. J'ai appris l'anglais quand j'avais 5 ans, puis là, c'était ma voisine en avant de chez nous qui, par des signes, on échangeait nos langues. Puis qui a fait les illustrations dans les livres? C'est une petite fille d'11 ans, Emily Walsh. Ah oui, elle a fait de très belles illustrations. Est-ce que je devrais le montrer, Charles, ou tu vas la prendre tantôt? Tantôt? Oui, parce Emily. Il y a tellement des belles illustrations faites par cette petite fille. On la félicite, hein? Ah oui, très, très bonne. C'est elle qui voulait les faire. Puis on va avoir mon lancement le 5 novembre à la bibliothèque de Russell. Puis Émilie va être là aussi pour parler de comment c'est pris pour faire les illustrations et tout ça. Toi aussi, tu écris des livres pour enfants, Oui. Là, le seul que j'ai apporté aujourd'hui, c'est Florence et la Sainte-Catherine, parce que c'est le 25 novembre qui est la Sainte-Catherine. Il est illustré par Christian Quesnel, qui a fait son nom maintenant, Christian, oui, on le voit partout. Oui. Et c'est parce que quand j'étais dans le milieu scolaire,
C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je te l'ai bien, ça. C'est dérangeant. Oui, oui, oui. Oui, ah, oui, on est habitués. C'est un milieu scolaire. Moi aussi, je viens de ce monde-là. Et puis, je trouvais que dans ce temps-là, c'était difficile de trouver tout dans un livre. C'est comme la tire de Sainte-Catherine, la recette. Après ça, c'est qui Marguerite Bourgeois? Puis qu'est-ce qu'elle a à faire avec Maisonneuve puis la tire de Sainte-Catherine? C'est qui, Sainte-Catherine? Puis pourquoi de la tire? Pourquoi de la tire? Après Vanessa André, peut-être la jouer. Je m'étais dit, un jour... Je... Les Autochtones devraient le savoir. Oui, je me dis, un jour, je vais tout mettre là-dedans. Là. Puis le rôle des Autochtones aussi là-dedans. Et j'ai mis la recette t'as à la fin. T'as même mis la recette. Oui, à la fin de la recette. Avec des photos de ma fille qui fait la tire avec mon mari. Deux tasses de cassonade, deux tasses de mélasse, deux cuillères à table de vinaigre de cidre de pomme, une demi-tasse d'eau chaude, une demi-tasse de sirop de maïs. C'est pas très santé. Ben, hein? C'est la recette. Non, c'est bon. C'est la recette originale de la congrégation de Notre-Dame. Ouais, les religieux. Les Autochtones auront sûrement pris du sirop d'érable. Ah, oui, oui. C'était meilleur encore. Et parfois, nos ancêtres faisaient de la tire pour le jour de l'an. Oui. Alors, j'ai trouvé deux textes. Un de Philippe Pamphile Lemay, c'est-à-dire, qui parlait de la tire de Sainte-Catherine, et un autre, un extrait de Maria Chapdelaine, dans lequel la Madame Chapdelaine fait de la tire. Parce que c'était dans tous nos livres à l'époque, ah oui. On parlait toujours de ça. C'est l'Halloween, une fête anglo-saxonne qui a pris la place de notre Sainte-Catherine. On oui, fête l'Halloween, quand on qui était... est une belle fête. Les enfants aiment ça. Oh, oui. Mais on a laissé tomber les saints et la Sainte-Catherine. Oui, oui. Puis c'était une belle fête. Il y avait des odeurs, les grands-mères venaient à l'école faire la tire. Oui. Puis on dansait. Oui, parce que à Halloween, on achetait des kisses de Sainte-Catherine pour donner à Halloween. Donc, notre calendrier, nos activités, notre déroulement des semaines nous amenait à la Sainte-Catherine. Halloween, c'était là, on avait des costumes de papier. Il y avait aussi les vieilles filles. Ah oui, oui. Hein? Les vieilles filles, c'est la vieille fille. Comme ma mère s'est mariée à 25 ans, puis elle avait dû danser sur ses bas, porter le petit chapeau, la capine, comme elle disait, pour la Sainte-Catherine, parce qu'elle n'était pas mariée. Mais ça aussi, je l'ai mis dans Écoute, on pourrait continuer longtemps. André, Lisette, Lucie, vous allez venir passer plus de temps avec moi en studio, j'aimerais bien, pour parler un peu plus longuement des enjeux qui sont rattachés à ce que vous nous dites et de votre processus de création aussi. Merci beaucoup. Vous êtes ici pour toute la fin de semaine? Aujourd'hui en partie, puis demain. Oui. Les trois jours, moi, je vais être là. Oui, c'est important de participer à nos salons du livre. Oui. Puis il faut que c'est important pour les gens d'aller au salon du livre. Absolument. Est-ce que tu fais d'autres salons? Oui, le salon du livre de l'Outaouais, de Toronto. Des fois Montréal, mais je ne suis pas allée cette année. Toi, André, en fais-tu d'autres? Oui, ça dépend toujours des... Des disponibilités. Oui. Si on a des. Moi, c'est à peu près celui-là ici. Celui-ci. Oui, puis les écoles. Moi, je suis surtout dans les écoles. Oui, parce que tes livres s'adressent beaucoup aux jeunes. Oui. Tant pour l'inceste que pour. Ben, c'est vraiment des enjeux des jeunes. Là, oui, ça, oui, là, oui. Des, oui. Des, ça fait partie de leur quotidien. Merci beaucoup. Bonne créativité pour que vous puissiez continuer à nous présenter des beaux livres. Merci à vous aussi. Où est-ce que je regarde? Merci à vous aussi d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une belle fin de journée. Puis je vous souhaite tout l'amour du monde. À demain.